Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de commencer cet épisode avec ma super intro habituelle, sachez que je l'ai foiré en l'occurrence, puisque j'ai dit que c'était l'épisode 10, alors que c'était l'épisode 11, et à l'épisode suivant de ce fait, j'ai dit épisode 11, alors que c'est l'épisode 12. Donc, les titres, eux, seront corrects, c'est juste dans mon intro le numéro qui sera faux. Sur ce, je vous laisse avec mon épisode. If you like it. Bonjour à toutes et à tous, c'est BXAKID et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de BXAKID, le Thaumaturge saison 2, si je ne m'abuse et que je me suis pas planté dans toute la programmation de mes vidéos. Techniquement, c'est ça. Alors, entre cette vidéo et la précédente, il s'est passé énormément de choses, puisque déjà, vous pouvez voir un truc complètement métal, tout qui a changé, tout qui a bougé, c'est magnifique, c'est beau. De 1, j'ai mis un shader, donc je vais sûrement switcher plusieurs fois dans l'épisode de shader. Puisque justement j'essaye au maximum de diversifier la chose et en plus de ça il y en a qui font plus ou moins ramer. En l'occurrence celui-là il me semble qu'il est pas terrible. Donc vous pouvez voir que j'en ai plusieurs, hein, des plus ou moins jolis, des plus ou moins fluides. Celui-là a l'air pas mal niveau fluidité puisque là j'ai pas l'air d'avoir de mauvais retour. Je tourne à une base de FPS correct, donc ouais je pense que celui-là on va l'adopter pour cet épisode. Donc si vous voulez le nom, il s'appelle le Sildur's Shader RC3.2 Nvidia Extreme.zip, le point zip on s'en bat les ciboulettes. En l'occurrence ciboulette ça va pas au pluriel, c'est pas grave. Alors entre ces deux épisodes, il me semble qu'on s'est arrêté à la construction ici, de cette petite zone. Ce qui s'est passé c'est que j'ai ici placé donc mes deconstruction table, mon arcane table, la recharge table, donc ça on est OP, j'ai remis du papier dedans, j'ai pas remis de papier, faudrait que j'en mette du papier, oula j'ai eu ça, ah ouais quand on tourne vite ça, waouh, what the fuck, et j'ai construit ici la deuxième partie donc de la base qui sera le centre névralgique de Tomcraft, puisque c'est ici. C'est complètement dégueulasse la lumière qui filtre par là, là va falloir faire quelque chose. Enfin bon, c'est ici que sera tout simplement l'arcane, enfin l'infusion, ouais le truc pour crafter dans Art Magica quoi, dans Tomcraft pardon. Donc voilà, donc il sera au centre ici, j'ai commencé à mettre des warded jars, va falloir que je m'occupe de mettre les alchemical furnace, ça on va s'en occuper un petit peu plus loin, puisque au fur et à mesure des épisodes qui vont suivre, je vais continuer de m'installer, enfin je vais continuer de poursuivre en fait cette salle ici, puisque ce sera dans cette salle en fait qu'on va placer tout ce qui est justement ce que j'ai dans la main, l'alchemical furnace et nos alambics. Puisque comme je l'ai expliqué, j'ai fait les mises à jour, dans un épisode je vous l'ai dit, j'ai fait les mises à jour de mes mods. Et donc j'ai tout plein de nouveaux systèmes pour justement transporter l'essence et ça va être plutôt être bien. Du coup ici on aura le tunnel pour transporter justement les tuyaux qui iront jusqu'au bar des jars. Et ici on va tout simplement s'occuper de tout ce qui est la distillation, le tri des essences, etc. etc. Alors on m'a donné pas mal de retours par rapport à Ars Magica. C'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit pas si sanglant que je l'avais... cru et que je vous avais fait croire, puisque je pensais vraiment que ça allait être quelque chose de sang partout quoi. C'est pas le cas, c'est malheureux, mais c'est cool quand même. C'est l'idée du sacrifice, tout ça, ça reste très sympa, donc c'est pas spécialement grave dans ce sens-là du moins. Donc aujourd'hui j'ai absolument rien prévu, donc je sais pas du tout ce qu'on va faire. On va regarder vous savez quoi, Ilum Tomonomicon dans tout ce bazar. J'ai été aussi faire un petit brin de minage. Comme vous pouvez le voir, je me suis mis à faire de la clay les mecs. J'ai fait de la clay et de la stone et de la cobble. C'est qu'il y a des efforts qui sont faits par le BX, hein. Je veux pas dire le BX il s'est mis à l'architecture. Je veux au moins... Oh merde. Au moins un Oscar pour ça. Le BX qui se met à faire des trucs jolis, vous m'appelez... Enfin, si vous trouvez ça joli, si vous trouvez pas joli, enfin pas ça joli, je vous... pour rester poli. Il est où mon Tomonomicon? là. Je suis bête, je pourrais toujours chercher. Bien. Alors, aujourd'hui on va faire un petit peu de Tomcraft. Alors quoi dans Tomcraft, j'en ai aucune idée. Donc on va voir ça tout de suite. Je vous dis, enfin j'ai commencé l'épisode en vous disant tout ce que j'avais à peu près à vous dire. Alors j'aimerais bien justement qu'on fasse les Essentia Tube qui se font une fois qu'on a l'Essentia Distillation. Donc on va voir ça. Vu que c'est transportation, il y a moyen qu'il y ait des conneries du genre.
des aspects un peu what the fuck du style Motus ou une bêtise comme ça. On va regarder ça tout de suite. Donc celle-là, je vais la faire au pifomètre pour le coup, parce que j'ai aucune idée réellement de comment elle se fait. En plus, avec la super semaine d'internat, j'ai aucune idée de comment on fait les aspects de base. Je l'ai mémorisé à peu près, là plus du tout. Master Note Tapping, donc c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais c'est excellent quand même, puisque ça va, enfin c'est comment dire ça, la recherche qui va nous permettre, vous savez, quand je vais puiser dans les nodes, elle va éviter qu'on ait le souci de vider la node entièrement. Donc je pourrais rester enfoncé sur mon clic droit pour choper ce qui est dans les nodes, et rester en fait avec un de chaque aspect dedans, donc pour éviter tous les petits soucis à ce niveau là. Donc Advanced Master Note Tapping, pardon. Donc on voit qu'il y a du permutio dedans. J'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir d'autre. On va tester le sensus. Il n'y a pas l'air d'avoir du sensus, du saxum, j'en sais rien. Enfin, c'est en gros les trucs de base. Enfin, là c'est vraiment du tapping. Faut essayer un petit peu tout. Donc je vais pas tout essayer. Hein. Ce que je vais faire, c'est je vais vous faire une petite coupure. On va se retrouver une fois que les recherches que j'ai faites, enfin que celle-là en l'occurrence, je vous montrerai le résultat une fois que tous les points seront reliés avec les aspects qu'il m'a fallu. On lira la description ensemble et après on va essayer de se trouver justement les Sunshine Transport. A tout de suite. Et bien re, et donc nous voilà avec la recherche faite, elle a été super simple, par rapport à celle que j'avais faite avant dans le même tiers. Donc ouais, une recherche vachement simple pour le coup. Vous excuserez les bruits derrière, c'est pas ma faute. Faudra taper sur quelqu'un d'autre que moi pour le coup. Voilà, donc le Master Note Tapping du style I'm a best of note tapping. Donc maintenant, ah non, c'est pas celle-là, je vous ai dit du bullshit. Celle-là, c'est tout simplement celle qui va nous permettre d'aller encore plus vite. Et celle-là, c'est Note Preserver qui va nous permettre donc d'avoir un seulement dans chaque node à la fin. Donc non, celle-là c'est celle qui nous permet d'aller encore plus vite, si c'est pas OP. Donc maintenant, la recherche qui m'intéresse. Oui, Essenza Tube. Donc on va pouvoir maintenant. C'est quoi ces recherches OP là? On va pouvoir transporter notre essence, enfin du moins une fois que cette recherche sera faite. Donc je vais la faire avec vous, hop c'est parti, épisode recherche, on va essayer de la speedrunner. Si vous avez encore des questions à propos des recherches, si vous voulez encore une fois que je vous le réexplique, c'est pas un souci, je le referai en vidéo, je vous réexpliquerai comment on fait les recherches, c'est pas un souci, après tout je suis aussi là pour vous apprendre des choses. Donc c'est pas un souci à ce niveau là, je peux réexpliquer. Pas payé pour ça, mais cette phrase n'a aucun sens ici. Non, parce que j'aurais pu dire je suis payé pour ça, mais c'est pas le cas. Et j'ai pas envie d'être payé pour vous apprendre des trucs après tout. Je joue pour le plaisir. Donc ici, alors toi tu me ranges pas du tout par contre. Donc toi tu vas descendre. C'était lequel? Fuck, c'était celui-là je crois. Si pas celui-là, j'ai l'air con. Hop, et techniquement... Ah, j'ai plus d'encre. J'ai plus d'encre au moment décisif. J'ai failli sauter dans le vide. Alors ça va être... va falloir que je bâtisse des murs, parce que sinon je vais sauter à côté, tout le temps. Hop. Hop, hop. Vous remarquez que je suis de plus en plus à l'aise avec les raccourcis 1.6. Je n'avais jamais fait gaffe avant, mais maintenant j'en ai... Je suis plus trop mal là-dedans. Hop. Hop. Alors, j'étais en train de faire quoi? Je sais plus. Alors, c'est pas la bonne idée. Ah non, c'est bon. Il me suffit de recliquer sur Break and Sea, au limite. Hop. Ouais. Et Sunset Tube. Alors, ça, c'est perfect. Puisque. Hop. Voilà. Donc, j'ai débloqué les petits tubes. Donc, ces petits tubes, qui sont là. Ici. Vont donc se craft comme ça avec du Quicksilver. Donc, ça soutient sur les petites plantes à côté des Great Silver. Oui. Il faut 2 iron, machin, 5 et 5, ça c'est pas un souci. Il y a aussi des valves, donc ça je vous les expliquerai un petit peu. Et donc en fait ça va nous permettre de sortir tout simplement l'essence en elle-même
de nos alambics sans avoir à attendre que ça tombe dans la jar, etc. Donc ça va aller super méga trop vite, donc c'est génial. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais finir... J'ai pas de cobble sur moi. Ah si. Je m'apprêtais à faire ça sans cobble. Je vais finir de poser la base donc de cette zone. Donc on va la faire pas trop grande parce que j'en ai pas spécialement besoin de place non plus. Donc on va rajouter ouais deux lignes de chaque côté. Allez, on fait les fifous. On dit deux lignes. Et du coup, je vais tout de suite poser notre nos tubes tout simplement. Oups. Hop. Donc aujourd'hui, on va faire ça. On va s'occuper des petits tubes. Hop, hop, hop. De toute façon, tout ça, je reverrai après l'affinage une fois que ce sera tout bâti partout de dessous, parce que pour l'instant, c'est bien moche. Donc, on va dire que l'entrée se fait ici. Non, pourquoi je me fais chier? Alors, attendez. On va faire ça mieux. De toute façon, qu'on voit un tuyau, c'est pas si grave au final. On s'en fiche un peu à la limite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser les bords. Par contre, vous ne devez pas y voir grand-chose, vous. J'avais fait du night tour pour éclairer un peu la salle. Je sais pas si j'en ai encore en rap dans mon coffre. Si j'en ai, je vais vous mettre du night tour. Sinon, je vais vous mettre des torches. C'est ballot, c'est bête, mais c'est comme ça. Pareillement, si vous me demandez comment on installe un shader, malheureusement, je vais pas vous l'expliquer parce que c'est tout bête. Il vous suffit d'avoir un Minecraft avec Forge. Une fois que vous avez mis Forge, vous mettez Optifine. Une fois que vous avez Optifine, vous mettez vos shaders. Regardez, vous n'avez même pas besoin de les mettre. Limite, vous faites ça. Vous faites Open Shader Pack Folder. Là, ça va m'ouvrir un dossier que vous ne verrez point. Mais en gros, vous avez juste après à glisser vos fichiers zip du shader dedans. Puis ça y est, il est dedans. Vous n'avez plus qu'à cliquer dans vos options dedans, quoi. J'ai pas besoin de vous faire un tuto là-dessus. Je suis sûr que vous serez capable de le faire. J'ai confiance en vous. Vous êtes des héros. Voilà. Donc ici, le bloc central. Alors par contre, ce shader supprime le petit carré sur lequel vous visez. Donc c'est un peu chaud pour compter. Enfin, ça fait des... Ah non, ça fait des trucs bizarres. Et ça le fait pas sur tous les blocs. Enfin bon. Je vais peut-être pas faire ça comme ça. Non, je vais pas faire ça comme ça du tout en fait. Ce que je vais faire, c'est que comme ça je pourrais en mettre deux. Donc je vais mettre un four ici. J'en mettrai un autre ici. Et comme ça je vais pouvoir mettre... Ah non, ça passe pas comme ça, c'est vrai. J'allais mettre des alambics sur les côtés, mais ça se passe pas du tout comme ça. C'est pas plus mal, ça me permettra de mettre les tuyaux au-dessus. Donc on va mettre... Oula, pourquoi t'es sur le côté toi? T'es biscornu toi. T'as des problèmes mal formés toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter comme ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc c'est un maximum de 4 alambics hein, sur un four. Ça, je ne vous apprends rien. Limite. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Me dis pas que t'as spawn ici, quand même. Ça le raclure. Va falloir que je torche, ouais. Ça fait un peu con, quand même. Mais c'est pas grave, on n'a pas le choix. Donc attendez, il faut que je regarde. Non, pas ça. Quelque chose là-dedans, puisque limite je suis en train de me dire qu'on pourrait s'y attarder un tout petit peu plus tard. J'ai pas la recherche pour ça encore. Ça, non, ça c'est dans l'Arcane Workbench. Falloir que je fasse un peu de recherche, ouais, et on va essayer de faire... Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est que aujourd'hui on va s'occuper un peu de tout ce qui est installation pour mes tubes. Et on verra à l'épisode d'après. Je suis pas sûr, hein, je vous dis ça, ce sont de bien grands mots, je ne suis encore sûr de rien. Mais on verra pour faire de la... Où c'est que c'est ça? J'ai perdu... S'il vous plaît. J'ai perdu... Non mais sérieusement, j'ai perdu l'infusion. C'est où? Elle est où? Ah, elle est là, elle était cachée. C'était caché. On verra pour faire ça. On verra pour installer. Pour installer ce Bataclan. Donc, ah ouais, mais il va me falloir une grosse baguette. J'ai pas de grosse baguette, moi j'ai qu'une petite. Alors, vous sortez même pas cette phrase de son contexte. Ah, sinon je vous banne tous. Vous sortez même pas cette phrase de son contexte. Vous êtes prévenus.
Donc voilà, pour cet épisode, on va essayer de faire ça comme ça, et on verra au prochain. Donc, je disais, je devais faire quoi? J'étais parti pour faire quoi du coup? Parce que je parle, je parle, je parle, je parle, et je sais même plus qu'est-ce que je raconte quoi. Donc aujourd'hui, on s'occupe des tubes, on est bien d'accord là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que les tubes, ils sont là, les tubes, ils sont là. Il va me falloir... Je vais essayer d'en faire un petit peu. Alors, pour vous expliquer du moins comment il marche, c'était où le Quicksilver? C'est là. Alors, je vais prendre... Vous savez quoi? Je vais en laisser deux quand même. Du coup, proportionnellement, il me fait comment faire là? Bon, c'est pas grave. Il m'en faut 6 et il me faut 3 or. Voilà pour ça. C'est bon, c'est tout ce qu'il me faut, il me semble. Ou je me trompe? Non, du verre. Est-ce qu'il me reste du verre en rab dans les blocs de construction? C'est en dessous. En plus, j'ai rangé mes coffres, hein. S'il vous plaît. Bon, presque rangé. Il reste un peu de bordel là-dedans. Oula. J'ai pas du tout de verre. Par contre, j'ai du sable. Bah non, mais... Ça, tu retournes là, il m'en faut... de ce fait... Trop bas. Hop, comme vous pouvez le voir, j'ai plein de fours, j'ai plus de charbon dans celui-là. Pourtant, c'est celui que j'utilise le plus souvent et je mets pas de charbon dedans. Allez, chercher la logique de la chose. Bien, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Le lever de soleil, comment c'est beau? Plus, vous avez vu, je rame plus. Enfin, presque plus. Mais ça, c'est. Faut pas chercher. Eh bien, re tout le monde, et donc pour cette fin d'épisode, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à charger ma baguette. Toujours un coût supérieur à ce que j'avais avant, ça semble toujours un petit peu embêtant. Il va falloir que je me crafte de la robe de tomature, je pourrais essayer de baisser ça justement parce que ça commence à être énervant de devoir payer plus à chaque fois. Mais ce que vous pouvez voir, c'est donc que j'ai mes Zeshensia tubes, donc c'est parfait, j'en ai 18, ça suffira pour l'instant. Là, j'ai pas de shader, allez savoir pourquoi il y a des zombies là-haut, ça commence à m'énerver. Il va vraiment falloir que je sécurise la chose. Parce que cela m'énerve fort. Cassez-vous? Malais quoi? Malais quoi? Bon, alors attendez. On va faire autrement. Petite casse. Alors vous voyez que sans shader, des fois je rame, alors qu'avec shader je ne rame pas. Allez savoir pourquoi. Voilà, attendez. Il faut que je les repousse. Non, j'aurais pas le temps d'aller chercher. Allez. De quoi me faire une épée. Je voulais me faire une épée en plein combat, mais. Donc je continue à les massacrer avec de la bouse. Hein. C'est pas le choix. Hein. Vous devez m'entendre spammer ma souris comme une espèce de psychopathe. Je sais pas pourquoi il faut autant de bruit que ça, ma souris. Allez savoir. Voilà. Donc toi, tu bouges parce que la dernière fois que je suis mort, j'ai dû me retaper tout le chemin. J'avais perdu ma maison. Vous avez failli. De votre saison 2 du tomature, voilà, je te mets là, dors dedans, voilà, comme ça, tu m'emmerdes plus, voilà. Alors maintenant, je remets ça en normal, puisque j'avais mis en extrême pour retrouver ma maison. Voilà, le choc à pic, oh là là, ce lever de soleil, et donc. Maintenant, on va aller ici. Et on va donc câbler tout ça. Alors, 1, 2, 3. Non, pas toi. Toi, tu reviens. Ah, j'ai pas récupéré. Moi, ça craint, ça, il me faut une pioche. Donc voilà, pour l'instant je vais vous montrer ça comme ça. Je vais prendre une Warded Jar. Je vais vous le montrer sans vraiment allonger le système. Donc hop, une Warded Jar. Je vais la brancher ici. Donc vous voyez qu'ici ça ne se connecte pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il faut que les Warded Jar soient tout simplement branchés par au-dessus. J'ai failli, je le casserai plus tard parce que sinon je vais pas le récupérer. Voilà, donc maintenant qu'elle est branchée par-dessus, si je mets là-dedans de la cobblestone et j'ai pas de fuel sur moi, pourquoi je rame comme ça? Ça va pas du tout ça.
Je sais pas. Re. Et donc comme vous pouvez le voir, le fuel se met dedans tout simplement. Ça commence à brûler toute ma cobble. Techniquement ça devrait aller là. Vous voyez bien que dans aucun des alambics je n'ai d'aspect. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que ça ne se stocke pas dans les alambics, puisque tous les alambics sont branchés à des câbles, mais ça va directement dans la jar. Donc on va pouvoir voir le phénomène. Vous voyez que ça ça augmente tout simplement déjà très très rapidement, et en plus de ça, ça ne remplit pas mes alambics. Si je fais un clic droit dessus, celui-là est quasiment vide, puisqu'il n'a pas encore eu le temps de se vider. Mais vous allez voir qu'il va se vider au fur et à mesure, c'est parce que là il produit plus qu'il ne peut se vider. Là il goûte, mais ça change strictement rien, puisqu'il va continuer à aller se vider ici techniquement. Pourquoi ne te vides-tu pas? Et stop là, tu te vides. Alors jusqu'à là il s'est vidé et là il se vide plus. Alors allez savoir pourquoi. Je n'en ai aucune idée. Et si je mets des câbles là? Non. Il n'a pas l'air décidé. Il n'a pas l'air décidé du tout. Bon, petit souci à régler, c'est pas grave, je ferai ça entre deux épisodes. Donc on se retrouve au prochain épisode, merci d'avoir regardé celui-ci. Au revoir et hope you like it. Alors je prends 2 secondes après ma fin. Mais vous avez tous dû m'insulter. C'est parce que là c'est du Samsung et là c'est du Perdition. La 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 la.